de chemin de fer, participa activement aux opérations libératrices du territoire. De ne pas laisser sombrer dans l'oubli ces événements tragiques. On nous démontre que le risque est effectivement loin d'être nul. Une quarantaine de réfugiés actuellement, de réfugiés de guerre, et donc qui sont présents dans les communes avoisinantes et qui... Du principal, nous allons sur le thème « Quel avenir pour la transmission de la mémoire ?» porté par les cérémonies.